Il y a un an, vous étiez très nombreux à considérer Shining Force comme le meilleur jeu de rôle aventure sur Mega Drive. Eh bien, Sega vous a entendu et voici donc Shining Force 2, le retour. Dans ce second volet, Slade, un rat géant, s'est emparé des rubis magiques et donc le démon Zéon est sorti de son sommeil. Alors maintenant qu'il est réveillé, je peux vous dire que les pires catastrophes sont à prévoir. Vous et vos compagnons avez été désignés pour le retrouver et mettre fin à ses agissements, mais il faudra vous armer de pas mal de patience et acquérir de nombreux points d'expérience. Vous affronterez des ennemis plutôt antipathiques comme des fantômes, des chevaliers coriaces et redoutables, et des gros rats. Dans un magasin, vous pourrez acheter des armes et compléter votre arsenal de guerriers. D'autres amis au cours du jeu vous rejoindront et vous donneront un petit coup de main face aux hordes d'ennemis. Ici, c'est Jaha, un guerrier nain, redoutable avec sa hache, comme quoi on peut être petit et costaud. Même si le jeu reste passionnant, il est cependant regrettable qu'il ait si peu évolué par rapport à la première version. En plus, on ne vous cache pas qu'on aurait apprécié une version traduite en français. Enfin, je vous rassure, Shining Force 2 reste quand même un très bon jeu, bien sympa et tout et tout.